1857 à 1877, le territoire de l'Arizona fut pillé par un redoutable hors-la-loi, surnommé la Rafale. Il était le chef insaisissable d'une bande de renégats qui incendiaient les ranchs, attaquaient les convois d'immigrants, pillaient et tuaient. La cavalerie des États-Unis, malgré ses efforts répétés, ne parvenait pas à arrêter la Rafale. Personne, d'ailleurs, ne le connaissait. Silhouette mystérieuse, il sortait du néant et redisparaissait après chaque attaque. Adios vida de mi vida, la causa de mis dolores, el perfume de las flores, el amor de mis amores, adios para siempre, adios. Seigneur Tex, est-ce que vous savez ma chanson? Ah oui, je l'aime, mais de quoi parle-t-elle? C'est un amoureux qui pleure. Il chante sa peine à son idole, parce qu'elle n'est pas aussi amoureuse que lui. Vous comprenez? Il recommence, écoutez. Adios, mariquita linda. Señor Tex, listen bien. Seigneur Tex, ils sont menés par un homme blanc, et on sait qui c'est. Oui, c'est sûrement la Rafale. Et ma carabine que j'ai laissée au ranch. Je crois que ça va très mal finir, Seigneur Tex. Veuillez rassemblons le bétail sans tarder parce que ça risque de chauffer. Avec de la chance, on peut s'en sortir. Il ne faut pas traîner ici, on risque de se faire escalper. Chacun pour soi. Bonne chance. Adios. Gracias, señor.
C'est fini. Tais-toi, José, tais-toi. Je suis sûr que tu vas t'en sortir. Ils sont incendiés, notre maison. La rafale. Il faut me venger, monsieur Tex. Oui, José, oui. Je te vengerai, tu peux en être sûr. Vous revenez sans doute de voyage, vous êtes tout couvert de boue. Très juste, Caroline. On a couru toute la journée après la rafale. Oh, et qu'est-ce que ça a donné cette fois, lieutenant? Rien, une fois de plus, il s'est volatilisé. Alors, vous m'offrez quelque chose? Certainement. Un whisky pour madame. J'ai vu la rafale et ces Indiens, je les ai vus il y a deux jours. Où? Dans le canyon du diable. C'est là qu'était mon ranch, j'y élevais quelques têtes de bétail. Quand la rafale est partie, il ne restait qu'un morceau de cendre. Je vous plains. C'est encore une veine qu'il ne vous ait pas tué. Alors... Si vous l'avez vu, essayez d'en faire une description. Croyez-vous qu'il m'ait laissé le temps de l'observer? Il était habillé comme tout le monde et il est très grand. Décidément, c'est très vague. Comment notre armée arrêterait-elle la rafale si tous les gens qui l'ont rencontré ne peuvent pas nous en dire davantage? Votre description s'applique à la moitié des hommes de cette salle. Lieutenant, l'armée court déjà après cette fripouille depuis des mois sans l'arrêter. Alors, comment pourrais-je vous aider? Vous allez nous emmener au canyon du diable et on va essayer de le capturer. Et vous croyez qu'il est resté à vous attendre? Filez donc plutôt vers le nord. Maintenant, si ça vous intéresse, sachez que je m'emparerai de lui tout seul et que je n'ai pas l'intention d'être doublé par vos hommes. Je vous conseille de ne pas parler de l'armée. Sergent! Votre nom, s'il vous plaît? MacLeod, Tex MacLeod. Tex MacLeod, nous arrêterons la rafale bien avant que vous ne l'ayez fait. Je m'en porte garant. Allez-y, pariez, je suis votre homme. Acceptez-vous de tenir le pari, je serai votre arbitre. Entendu. Vous êtes d'accord, MacLeod? Moi, je suis prêt à parier une année entière de ma solde que l'armée arrêtera la rafale bien avant vous. Votre nom, s'il vous plaît? Tom Blaine, lieutenant au 2nd régiment de cavalerie. Tom Blaine? Bon, je suis fauché comme les blés, mais je relève le défi, lieutenant. Ben, c'est facile si vous n'avez pas d'argent. Et si je suis avec M. MacLeod de moitié dans le pari? Bon, alors comme ça, j'accepte, Caroline. D'accord. Lieutenant, voulez-vous nous excuser? Je voudrais parler à mon associé, le combattant solitaire. Suivez-moi, nous serons plus tranquilles. Mais croyez-moi, lieutenant, vous ne trouverez pas la rafale dans un bar. Une année entière sans paye, moi, ça m'ennuierait, lieutenant. Alors, à votre avis, que dois-je faire, sergent O'Rourke? Eh bien, il vaut mieux essayer de réfléchir quand on prend une foutue décision de ce genre. Et il faut s'éclaircir la cervelle avec une cigarette de tabac. Allez.
O'Rourke, je vous ai dit au moins 100 fois qu'il est inutile de m'offrir du tabac à chiquer, mais c'est comme si je flûtais dans une trompette bouchée. C'était de bon cœur, lieutenant, c'était de bon cœur. Cher Eddie, allez donc faire vos réussites ailleurs ce soir. Il s'appelle Eddie Calhoun. Il est gentil, mais il est dangereux. C'est un joueur de métier. Merci de ce renseignement. Derrière ce paravent, il y a du savon et il y a des serviettes pour se faire une beauté. Profitez-en, faites donc un brin de toilette. Je vais aller chercher un peu de nourriture. Après, je remonterai et nous causerons. Ça change un homme, un peu de savon et d'eau. En tout cas, je me sens beaucoup mieux maintenant. Pendant que vous mangez, nous allons faire connaissance. Sans doute êtes-vous surpris de mon comportement. Un homme est toujours surpris par les femmes, c'est très dur de les comprendre. Tex McCloud. Ça sonne assez bien, c'est joli. Mademoiselle, un autre jour nous pourrons causer longuement, mais j'ai peur que le temps ne manque ce soir. Est-ce que vous me dites où se trouve la rafale? Possible. Peut-être bien que oui. Je suis assez pressé. J'ai parié avec le lieutenant, vous le savez. Je vais vous faire une proposition. Mais si vous ne l'acceptez pas, tant pis. On se dira au revoir et vous m'oublierez. Oui, j'oublierai notre conversation. Vous avez compris. Alors, pour en revenir à la rafale, je ne sais pas à quoi il ressemble ni où il demeure. Pour vous en emparer, il vous faudra du temps, des vivres et vous assurer le concours de plusieurs bons tireurs. Et tout ça coûte très cher. Je connais un coup sensationnel et très facile. Et combien ça rapporterait? $2,000. Combien d'hommes est-ce qu'il faudra tuer? Aucun. Car il suffit de faire entrer une dette. Un homme me doit $20,000, Tex. Et n'essayez pas de savoir pourquoi. Il a les moyens de sortir cette somme? Il en a largement les moyens. Il est vraiment riche. Il possède une mine d'or quelque part, un hôtel. Il a même un bazar. C'est curieux, cette description me fait penser à un gars de cette région. Qui se nomme? Lucky Lee. Je ne l'ai jamais vu, mais tout le monde parle de ce type. Mais s'il ne vous a pas remboursé avant, pourquoi le ferait-il aujourd'hui? Je l'observe depuis un bon moment sans qu'il puisse en douter, parce que je voulais pouvoir agir à bon escient. Ce coup-ci, je le tiens. Il y a une certaine personne dont Lucky semble amoureux. Alors ce qu'il faut, c'est que cette personne soit notre otage jusqu'à ce qu'il paie sa dette. Est-ce que Lucky est capable de débourser autant d'argent pour une femme? À ses yeux, elle n'est pas n'importe quelle femme. Je refuse, je regrette. Cherchez-en un autre. Tenez. Voilà pour le repas et pour votre délicieuse compagnie. Mon ami, permettez-moi de vous dire que vous faites une grosse bêtise. Quelquefois, j'aime faire des bêtises. Salut. Détachement! En selle! Alors, on va au canyon du diable, lieutenant? L'armée n'a pas de temps à perdre, monsieur McCloud. À la droite, par deux! En avant! Chambre 7. Merci.
Il y a quelque chose qui ne va pas, madame? La serrure doit être cassée, elle ne ferme pas. Attendez, je vais voir. Le rossignol chante dans la verte forêt. J'ai l'impression qu'elle est rouillée. Viens avec moi, chérie, voir si le muguet a fleuri. Tendrement enlacé sous ces jolis bocages, nous irons pas à pas nous perdre dans l'ombrage. Il faudrait un loquet solide dans cet hôtel. Votre clé ouvre ma porte. Voulez-vous prendre ma chambre? Merci, vous êtes très aimable, monsieur. J'accepte votre offre. Mieux que ce soit vous qui l'ayez, madame. Oh, merci, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit. Connaissez, madame? Non. Nous nous sommes trompés. On cherche un ami. Oui, oui, sans doute pour lui souhaiter une bonne nuit. Oui, c'est ça. Filez plutôt prévenir Caroline que je déteste être tué pendant mon sommeil. Sortez. Qu'est-ce qu'il voulait? Ah, c'est sûrement moi qu'il cherchait. Pourquoi? Ce serait trop long à expliquer. À votre place, madame, je ne resterai pas dans ce piège à rats, il paraît malsain. Mais je ne reste pas, je prends la diligence ce matin. Tant mieux. Dites-moi votre nom. Tex McCloud. Et moi, Nora Logan. Si vous passez par Fort Sauvage, venez voir Lucky Lee. Lucky Lee? Vous m'avez défendu et il a une dette envers vous. Je croyais que Lucky Lee ne reconnaissait pas ses dettes. Qui a osé dire ça? C'est un homme d'honneur, monsieur. C'est votre avis, madame, mais j'ai l'impression que ce n'est pas l'avis de tout le monde. Vous cherchez à me faire peur. Et je me demande pourquoi. Je n'en ai pas l'intention, mais ces deux polichinelles peuvent remonter. Je croyais que c'était vous qu'ils cherchaient. Ils sont venus sans doute pour moi, mais ils peuvent revenir pour vous. Au revoir, monsieur Tex McCloud. Sans adieu, Nora Logan. Qu'on va rentrer bredouille si ça continue. Pas la moindre trace de chevaux ni de bétail. Les autres camps, les Indiens les ont peut-être dissimulés dans un canyon. Une fumée, regardez, au pied de la montagne. Là, à gauche, mon lieutenant. Quel est votre avis, sergent? Est-ce qu'il ne s'agit pas de signaux entre Indiens? Non, la fumée sortirait par bouffée au lieu de monter tout droit. Oh. C'est aussi très possible que les peaux rouges soient embustées au pied de cette montagne. Une fumée s'élève au fond du ravin. Je vais aller voir ce que c'est. Observez tous mes gestes. Ça pourrait bien être un piège. Wilson, allez jusqu'à la pointe. En avant. Oh. Si vous courez après la rafale et ces Indiens, lieutenant, ils sont venus mais ils sont repartis. Il y a longtemps?
Ce matin, ils ont fait vite, les salauds. Ils menaient du bétail? J'ai rien vu. Vous aviez raison, lieutenant. Probablement qu'ils les parquent dans un coin par là. Ces sales bandits ont pris tout notre or. Ils ont tué ma femme ainsi que mon camarade Jim. J'ai perdu tout. Je suis complètement ruiné. Bon, on va vous escorter immédiatement jusqu'à la ville. Non, l'escorte est inutile, lieutenant. Je reste ici. Je ne quitte pas ce coin. Où allez-vous, messieurs? À Fort Sauvage. Montez. On va tenter d'aller jusque là. Je prends la diligence. Salut. Je m'appelle MacLeod, du Canyon du Diable. Oui, je sais ce qui s'est passé. Ils ont tout brûlé chez vous et je suppose que vous cherchez la rafale. Oui, je le cherche. Vous savez où il peut se cacher? Moi? Et comment voulez-vous que je le sache? C'est une chose que personne ne sait. Connaissez-vous un homme du nom d'Eddie Calhoun? C'est un tueur à gages et un joueur de métier. Son travail consiste à tricher dans les saloons. Et il vous intéresse? Il est venu me faire une petite visite avec un copain dans la nuit et il tenait chacun un 6 coups. Il y avait du retard, mon vieux, parce que Eddie Calhoun et son copain ont quitté la ville de bonne heure ce matin. Où sont-ils allés? Ah, je ne sais pas du tout, mais j'ai vu qu'ils emmenaient un 3e cheval. Attendez, mademoiselle, on vous emmène. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Laissez, mademoiselle, je vous donnerai mon argent si vous voulez. M'en fiche de votre argent. Allez, dépêchez-vous. Laissez-moi! Et que ça sonne! Oh, où est mademoiselle Logan? Nous avons été attaqués par 2 bandits masqués et ils l'ont enlevé. À bientôt, Caroline. Ça devient une habitude de voler à mon secours. C'est avec plaisir, mademoiselle. J'exigerai ma récompense un jour. Non, Tex. À cause de Lucky? Oui. Dépêchons-nous si on veut rattraper la diligence. Tex, venez à Fort Sauvage. Vous voulez que je sois votre témoin, peut-être? Je désire surtout me garder un ami.
Il faut que je m'occupe de choses très importantes. Et puis je suis probablement un ami que Lucky n'aimerait pas garder trop longtemps. Je peux avoir besoin de vous encore? Bon, puisque vous le demandez, je vous y conduis. Au cas où l'on voudrait vous enlever à nouveau. Oh, merci, Tex. C'est avec plaisir, mademoiselle. Où est ce prisonnier, lieutenant? Ça viendra. Il va bien falloir que l'armée le capture. J'ai vu votre ranch du Canyon du Diable. Et ces vandales ont vraiment tout dévasté. J'ai vu l'endroit où vos hommes sont enterrés, mais on n'a vu ni chevaux, ni troupeaux. C'est naturel, ils les ont tout de suite emmenés. Et sur un sol aussi sec, les traces se sont effacées. Au bout d'une demi-heure, la piste a sûrement disparu. Mais on va la chercher. Ouais, on la retrouvera. L'armée ne perdra pas le pari. Écoutez, sergent. Si votre armée faisait toujours sa besogne, on n'aurait pas eu besoin de parier, et j'aurais sûrement mon ranch. De quel droit insultez-vous l'armée? Descendez de cheval, en vous explique. MacLeod, à bientôt à Fort Sauvage. Bonne chance. Bonne chance. Comment ça va aujourd'hui, Jubal? Il y a encore l'estomac qui me fait mal, docteur. Encore? Et te reste du tonique que je t'avais donné pour ton âne? Une demi-bouteille, peut-être. Bon, voilà ce que tu vas faire. Tu vas en prendre deux cuillères et un soupe après chaque repas. C'est ce tonique qui a fait crever mon âne. Oh, tu m'embêtes avec tes histoires. Tu discutes les ordonnances. Je pense qu'il est grand temps de te marier. Je me mets à ta disposition. Mmh. T'es d'accord? Je ferai une magnifique cérémonie, grandiose et légale et bon marché. Hein? Réfléchis bien. Dites-donc, la diligence est en retard aujourd'hui. Eh oui, tout bib. Doucement, mon vieux, doucement. Hein, qu'est-ce qui se passe? Deux bandits nous ont attaqués et le pauvre gars n'a pas pu se défendre. Mettez-le sur mon lit et je vais voir ce que je peux faire. Merci, Tex. C'était avec plaisir, mademoiselle. Quand partez-vous? Dans la matinée. Avant de repartir, je voudrais que vous voyiez Lucky Lee. Merci, Tex. Je peux faire quelque chose pour vous aussi, peut-être. Oui. Dites à votre ami Eddie Calhoun de ne pas me transformer en passoire. Écoutez, MacLeod, essayez de ne vous occuper que de ce qui vous regarde, ça vaut mieux. Entendu. Mais n'oubliez pas alors que je m'occupe de Nora, ma protégée. Et je vous conseille de ne pas l'ennuyer. C'est compris?
comment va-t-il? Le docteur dit qu'il a une chance de s'en sortir. Mon Dieu, alors oui. Alors, j'espère qu'il va s'en sortir. Je vais l'emmener dans mon écurie, celle de gauche, comme d'habitude. Ramassons-le et suivez-moi. Elle n'est pas ici, hein? Non, en effet. Dites-moi, c'est un coin bien tranquille, on dirait. Ah oui, oui, je m'appelle Fallon, je suis docteur et je soigne gens et bêtes. Et ils en réchappent parfois. Et moi, Tex McCloud. Ah ben, enchanté, Tex. Vous avez une place pour loger un cheval? Oh, de toi, à part une seule place réservée pour les cadavres, en attendant qu'ils partent se faire enterrer. Dites-moi, qui est l'homme qu'on vient d'abattre? Un gars qui s'appelait Puck. Il voulait qu'on le prenne pour un grand tireur. Et pour se faire vite une réputation, il projetait de descendre Tom le tueur. Mais ça pourrait être un duel, c'était un vrai suicide. Tom le tueur, qui est-ce? Personne ne le sait au juste. C'est un dur qui traîne dans la région depuis des années. On mange bien à l'hôtel? C'est potable si vous aimez le gibier. Sinon, vous pouvez toujours aller à la Plume Rouge, où il y a aussi du gibier. Alors, je vous laisse le cheval, docteur. Nourrissez-le, mais ne le soignez pas. Comptez sur moi, Tex. Si vous voulez un avocat, je suis bon juriste aussi. The prairie, oh, the prairie. He met her on the prairie and kissed her on the cheek. She said, we'll have to marry, to marry, oh, to marry. She said, we'll have to marry. You kiss me on the cheek. Tra-la-di-da, tra-la-di-da-di-dum. Une minute, monsieur. Tra-la-di-da-di-dum, da-di-ay. He left her on the prairie, oh, the prairie. He left her on the prairie and went his merry way. Ce genre de fille, ça rend fou tous les hommes. Oui, elle sait chanter. Alors, c'est vous la gérante? Non, j'aide un peu Lucky, c'est tout. C'est joliment décoré. Il va y avoir un mariage bientôt. Le vôtre? Lucky a hâte de vous connaître. Il m'a demandé de vous emmener le voir dans son bureau. Allons-y, puisque vous y tenez. Venez. Entrez. Lucky. C'est Tex McCloud. Ah, bienvenue à Fort Sauvage, amigo. Asseyez-vous. Chérie, j'arrive de la mine et je me suis dépêché de revenir pour pouvoir accueillir Nora. Oui, je comprends, elle vaut plus qu'une mine. Ah, c'est certain. Je sais combien nous vous devons, amigo. Et je ne suis pas homme à ne pas payer une dette, tenez. Vous ne pouvez pas me donner ce que je veux. Peut-être que si. Dites toujours, je vous écoute. Dites-moi où je trouverai la rafale. La rafale. Tout le monde essaye d'avoir ce type depuis 20 ans, amigo. À votre place, je laisserai tomber, ça me semble trop périlleux. Il est toujours avec une bande de peau rouge qui le protège. Je m'occuperai de ces Indiens après avoir eu la rafale. L'armée le poursuit avec acharnement depuis 15 ans. Je peux vous aider, cependant. Il y a tant de gens qui viennent s'approvisionner chez moi. Des Indiens, des chercheurs d'or, des trappeurs. Et certains trouvent pratique de venir se mettre au vert, par ici. Des hors-la-loi recherchés par l'armée.
Je m'entends très bien avec ces types. Je ne leur demande rien puisqu'ils me fichent la paix. Pourquoi ne pas rester ici pour vous détendre? Je peux vous avoir des renseignements? Non, je risquerais de perdre un peu trop de temps en restant ici. Je vais aller voir ce qui se passe dans le Nord. Vous ne me facilitez pas les choses pour vous payer ma dette. Tu sais que je n'aime pas être en reste avec quelqu'un. Si vous ne voulez pas accepter d'argent, dites-nous au moins ce qui peut vous faire plaisir. Oui. D'accord, j'ai besoin de 2 ou 3 bricoles, mais je ne peux pas les régler. Aussi, je signerai pour ce que je prendrai au bazar. Un fusil et des boîtes de munitions. Je n'ai plus rien, tout à brûler dans ma maison. C'est entendu. Ce sera une joie pour moi. Demain matin à mon magasin, je vous servirai moi-même. Merci. Au revoir. Au revoir, à demain. Chérie, jamais tu ne m'as paru aussi belle. C'est fou ce que tu m'as manqué. J'ai cru que la diligence n'arriverait jamais. Quand nous serons mariés, nous nous quitterons. Il y a longtemps que vous êtes là, Caroline. Comment saviez-vous que j'étais là? Vous aviez déjà le même parfum l'autre soir dans votre chambre. C'est tout ce qui vous avait frappé en moi? Oh non, je me souviens d'un tas d'autres choses. Qu'est-ce que vous mijotez cette fois? Avez-vous dit à Lucky quel marché je voulais conclure avec vous? C'est ça qui vous inquiète, hein? Non, naturellement, je vous ai dit que j'oublierais notre conversation. Vous êtes malin, n'est-ce pas? Très malin. Ça ne vous suffit pas, les 2 000 que je vous ai proposés. Vous voulez les 20 000 $. Continuez. Vous n'avez sauvé cette Nora Logan que pour arriver à vous lier avec Lucky. Et vous lui tourniez autour pour savoir où se trouve sa mine. Lucky aura ensuite un accident, ce qui vous permettra de prendre son or. Un projet qui est parfait, excepté un petit détail. Moi, Caroline. Oui, moi, je suis dans le coup. C'est fou, l'imagination des filles. Non, c'est vrai, Tex. Vous et moi, on pourrait gagner des fortunes. Ensuite, Londres, Paris. New York, Tokyo, ensuite Rome. Écoutez, vous vous trompez sur mon compte. Je ne suis pas ce que vous croyez. Car moi, une seule chose m'intéresse. Savoir où se cache la rafale. Ça fait pas mal d'années, Lucky. Oui, tu l'as dit. Tu n'aurais pas cru que tu me reverrais un jour. Non. Et pour te dire la vérité, tu étais le cadet de mes soucis. Oui, ça ne t'a pas empêché de dormir. Moi, si. Pour moi, c'est beaucoup, 20 000 $. Écoute, Caroline, tu as déjà touché beaucoup d'argent, alors tu n'auras plus rien. Oh, si. Tu as encore une dette envers moi. Et quels que soient les risques, je récupérerai cet argent. Je sais que 20 000 $, c'est une fortune pour toi. Mais est-ce que ça vaut la peine de risquer sa vie pour ça? Serait-ce une menace? C'en est une. Je ne suis pas prêt de l'oublier, Lucky. Fait de bon matin. Oui. Je voulais être certaine que vous iriez prendre le fusil et les munitions. Justement, j'y allais, Nora. Tex, je ne veux pas que vous poursuiviez la rafale. C'est trop dangereux. Il faut pourtant bien en finir avec cet homme. Oui, bien sûr. Sa bande a tué mes parents et elle m'a emmenée en otage. Et qui vous a délivré de cette crapule? Lucky a su que les Indiens tenaient une blanche captive. Il a dit à Opidjo de payer pour moi. Car Lucky est l'homme le plus généreux qui soit. Je lui dois trop pour ne pas l'épouser. Allons voir si le magasin est ouvert. Lucky, n'épouse pas cette fille. Oh, je t'en prie, ne recommençons pas. Tu n'épouses pas Nora. Ça suffit, hein? Lucky. Bonjour, ma chérie. Tex, comment ça va? Bonjour. J'ai dit à Opidjo de vous sortir un stock de fusils pour que vous choisissiez. Ce ne sont pas des armes neuves, mais elles sont remises en état. Bon, quand on est ruiné, il ne faut pas être trop exigeant. À votre place, cher ami, je prendrai ce fusil. Il me paraît parfait, léger et bien équilibré. Oui, on ne peut pas dire le contraire, mais moi, j'avoue que je préfère le Winchester. Le Winchester? Je ne pense pas en avoir.
Ah. Mais oui. En voici une. Ça, je dois dire qu'elle est ancienne. Je l'avais oubliée, celle-là. Il ne vous va pas? Ah, si. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous voyez ce M gravé sur la crosse? Ce fusil m'appartient. Il se trouvait sur ma cheminée quand la rafale a brûlé mon ranch. Comment est-il en votre possession? Mais on va se renseigner. Hoppy Joe, approche. Où as-tu trouvé cette Winchester, Hoppy? Moi, payé fusil hier à Tom le Tueur. Ah, Tom le Tueur. Eh bien. Dans ce cas, ce n'est plus la peine d'aller voir le shérif. Restez ici, amigo. Vous soupçonnez Tom le Tueur d'être la rafale? Ça se pourrait. Où peut-on le rencontrer? Il a une cabane dans les collines. Est-ce que tu peux nous renseigner, Hoppy? Je l'ai vu la nuit dernière à la Plume Rouge avec la chanteuse qui est arrivée hier en diligence. Vous le voulez mort ou vif? Je tiens à le ramener vivant s'il se laisse arrêter. Oh, c'est dangereux, Tex. Tom le Tueur a la détente rapide. On n'a qu'à demander à l'armée de l'arrêter. Non, je veux régler ça moi-même. Et de plus, j'ai fait un pari avec l'armée et je voudrais le gagner. Tenez, prenez cet insigne officiel. Vous voilà nommé shérif. Merci. Et vous l'êtes définitivement si ça vous chante. Non, ce n'est que temporaire, Lucky. Donnez-moi 50 cartouches et je vous signerai un papier pour ça. Et aussi pour la carabine? Non, rien que pour les munitions. Ce fusil vous appartenait. Je ne fais que vous le rendre. D'ailleurs, ne me signez rien, Tex. Votre parole me suffit. Lucky, je vous en prie, dites-lui d'aller avertir les soldats. Tex ne risque absolument rien. Puisque Tom le Tueur ignore qu'il le cherche, notre ami n'a qu'à aller à la Plume Rouge ce soir, attendre Tom le Tueur, le surprendre et le désarmer sans courir de risque. Pourquoi ne pas faire ça tout de suite? Dans la journée, il vient ici très rarement. Il ne sort généralement que le soir. Eh bien, bonne chance, shérif. Hoppy Joe m'a dit que tu voulais me parler, mais seul à seul. Oui, en effet. Il y a un type qui te recherche en ville. Pourquoi? Il veut te tuer, paraît-il. Je crois qu'il vaut mieux que tu sois prévenu. Son compte sera vite réglé à ce type. Combien vas-tu me payer? On en reparlera un peu plus tard. Merci. Tex, tout ça m'effraie. Allons, ne vous énervez pas. Tom le Tueur sera pris ce soir et vous épouserez Lucky demain. Voyons, Tex, vous avez compris mes raisons. Oui, je sais, vous êtes une fille qui veut payer ses dettes. Amigo, j'ai cherché partout, mais en vain. Il est introuvable. Bon, alors j'irai moi-même le chercher. Méfiez-vous, Tex. Soyez tranquille. Bonne chance. Merci. Oh, Lucky, j'ai peur, j'ai tellement peur pour lui. Oui, moi aussi. Mais il a un compte à régler, il le réglera quoi qu'il arrive. There's no ring on her finger, her rings are all under her eyes. For she gave her heart to a hosiery drummer who vowed by the stars that he'd come back next summer. There's no ring on her finger, not even a ring of her own. For just like his stockings he ran, and she's all alone. With no ring on her finger, and nothing but time on her hand, she soon fell in love with a man from the city, who sold her some cold cream and swore she'd look pretty. But no ring on her finger, not even a half-carat stone. For just like his cold cream, he vanished, and she's all alone. On a dû vous avertir que Tom le Tueur cherchait à vous tuer. C'est curieux, j'ai la même intention et je viens ici pour ça. Faites attention! Maintenant, on va aller voir le docteur Fallon.
Quand il aura pansé ta blessure, je voudrais que tu me dises où tu as pris la carabine que Pidgeot t'a achetée. Quelle carabine? La Winchester qui était sur ma cheminée au canyon du Diable au moment de l'attaque, monsieur, la Rafale. Moi, la Rafale? T'es fou, non? Et il y a 10 jours que j'habite chez mon copain Jeb Weaver dans le canyon des voleurs. C'est vrai, shérif. C'est moi, Jeb Weaver. Il n'a pas bougé d'ici depuis 10 jours. Ça n'explique pas comment tu as vendu ma carabine à Hopi Joe. Il ment, ce sale indien. Entendu, on va aller voir Hopi pour que tu répètes ça devant lui. Allez, grouille-toi. Il a réussi, il a réussi. Ça y est, il l'a fait prisonnier. Qu'est-ce que tu fais ici? Je soigne mon cheval, j'ai le droit. T'as pas d'autres questions? Donne ton revolver. Voilà. Dommage, mais il est froid, shérif. Tant mieux pour toi. Bon tireur, entre les deux yeux. Vous avez eu le gars qui a tiré? Disparu, je l'ai pas trouvé. Mais la Rafale est descendue. La chasse est finie et vous gagnez votre pari avec l'armée. Je souhaite que vous ayez raison. Bien sûr. Vous avez des doutes? Tom Le Tueur a dit qu'il n'avait pas bougé de la cabane de Jeb Weaver au canyon des voleurs depuis 10 jours. Jeb Weaver a confirmé cet alibi. Jeb Weaver? Jeb vous a dit ça? Il n'y a pas de pire menteur à 10 lieues à la ronde. Il s'est dit que Tom Le Tueur le paiera un bon prix pour l'alibi. Maintenant, emmenez-moi cette ordure chez le Toubib. Et demain, on fait la fête. Enterrement de la Rafale à l'aube et l'après-midi, mes noces. Je vous invite à ces 2 cérémonies. Oh! Bravo! Merci de m'avoir prévenu. C'est rien, il n'y a pas de quoi. C'est assez difficile de vous comprendre. Vous envoyez un jour Eddie me tuer et un autre jour vous me sauvez la vie. Je voulais vous montrer quelle sorte de femme je suis quand je veux. T'en rire. Assieds-toi. Il y a une petite chose que je voudrais savoir. Quelle espèce de femme tu peux être quand tu veux? Écoute, je ne suis pas d'humeur à répondre aux devinettes. Parle si tu as quelque chose à dire. Très bien. Tu es amoureuse de lui? Ne dis pas de bêtises. Moi, je serai amoureuse de MacLeod. J'espérais bien que Jack aurait sa peau. Tom l'aurait descendu. Si tu n'avais rien dit à MacLeod. Je ne veux pas parler de ça, Eddie. Mais moi, je veux en parler. Tu sais les sentiments que j'ai pour toi. Et on a conclu une sorte de marché tous les deux. Je ne veux pas en perdre de bénéfice parce que tu aimes une espèce de redresseur de tort. Tu ne perdras rien. Car maintenant, on va en finir. Et plus que jamais, je veux qu'on en finisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'agit pas seulement du fric. Il s'agit de toi et de moi. Oui, de toi et moi. Excuse-moi, il faut que je reprenne mon travail. Tu sais où habite Jeb Weaver? Moi, c'est... Alors, vas-y. Qu'y a-t-il, Turquoise? Eh bien, je... Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'aimes encore? Tu le disais avant. Ça m'ennuie de te faire de la peine, mais ma décision est prise. Je vais épouser Nora demain et rien ne m'en empêchera. Toi, repars chez toi, ma petite. Je te donnerai de beaux bijoux et à ton père des munitions. Je ne veux pas de ça. Je te veux, toi. Oh, mais je t'ai dit 1000 fois que c'était impossible. Un homme qui possède ma situation doit épouser une femme de sa race. Et puis, il y a autre chose. C'est que j'aime Nora.
Je peux très bien prévenir les soldats que tu es la rafale. Tu n'en parleras jamais. Non, jamais. Bonjour, monsieur MacLeod. Comment va, lieutenant? Sergent? Ah, oui, j'avais une bonne place de shérif, vous devriez faire des économies. Vous essayez toujours de gagner notre pari, lieutenant? Oui, toujours. Je vous informe que notre ami la Rafale est en ce moment à Fort Sauvage. Qu'en savez-vous? Je l'ai vu moi-même. Si vous avez la frousse de ce gars et si vous voulez que l'armée se porte à votre secours, vous auriez dû au moins demeurer là-bas et l'empêcher de filer. Aucun danger qu'il parte ou l'armée ne pourrait le rejoindre. On l'a enterré à l'aube ce matin. Eh bien, votre pari a l'air d'être gagné. Vous êtes sûr que c'est la Rafale? On a pu essayer de vous bourrer le crâne. Il a nié être la Rafale, mais il avait vendu une Winchester volée au bazar de Fort Sauvage quelques jours avant. Or, cette Winchester était sur ma cheminée quand on a brûlé mon ranch. J'ai calculé que le seul blanc qui pouvait avoir si vite gagné le bazar était la Rafale. Alors, puisque j'ai perdu, je vais vous payer, monsieur MacLeod. Une petite minute, lieutenant. Un officier n'a qu'une parole, il paye ses dettes. Lieutenant, à votre place, je ne me presserai pas tellement de payer. Pourquoi ça? Parce que l'homme qu'on a enterré aujourd'hui au petit matin n'est peut-être pas la Rafale. Si vous permettez que je vous accompagne, je vous dirai pourquoi. Sergent, rassemblez tout de suite les hommes. Vous êtes pas trop mal pour un civil. Détachement! En salle! D'après ce que vous nous dites, monsieur MacLeod, Jeb Weaver insiste sur le fait que Tom le tueur a passé plus d'une semaine avec lui, ce qui prouve qu'il n'est pas la Rafale. Mais si jamais il se rétracte, alors vous me devez une année de paye. Oui, mais vous nous dites d'autre part que Jeb est le pire menteur de tout le territoire et qu'on ne peut absolument pas le croire, quoi qu'il affirme. Il dira la vérité cette fois, mon lieutenant. Je vais l'asseoir sur une fourmilière et il parlera. Il ne résistera pas à ça. Commencez à chercher une fourmilière, car on arrive au canyon des voleurs, sergent. Entre les yeux. Vous gagnez votre pari, monsieur MacLeod. Vous avez encore une chance. Comment ça? À mon idée, voilà. L'homme qu'on a mis en terre ce matin a prétendu ne pas être la Rafale, mais on l'a abattu avant qu'il l'ait prouvé. Et son témoin vient de mourir et maintenant il ne dira rien. Et alors? Je vais poser une question à une personne de Fort Sauvage et si elle me donne la bonne réponse, ça prouvera que la Rafale n'est pas mort. L'armée sera derrière vous, monsieur MacLeod. Il faut aller très vite. Je veux arriver avant le mariage. Oh! Deux hommes pour l'enterrer. Allez! Mes chers concitoyens de Fort Sauvage, vous m'avez tous vu exercer différents métiers. Entrepreneur de pompes funèbres, vétérinaire et médecin, dentiste, barbier, magistrat, etc., etc. Mais au cours de ma longue carrière, rien ne m'a jamais fait plus plaisir que de célébrer ce mariage entre notre plus important citoyen et la belle Nora. Dieu Tout-Puissant, bénis cette heureuse union à laquelle je vais procéder maintenant. À mon commandement, viens t'aider. Amigo, vous arrivez à temps pour être témoin.
Lieutenant, vous et vos hommes êtes mes invités. Je m'excuse, monsieur Lee, mais je dois interrompre cette cérémonie. Que dites-vous? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tom Lutwer n'est pas la rafale. J'ai enfin compris ce qui s'était passé. C'est curieux. Mais c'est tout à fait possible. Nous en discuterons plus tard. Pour le moment, j'ai affaire. On ne peut pas attendre. Je sais bien que je vous dois beaucoup, mais vous allez tout de même un peu fort. Et je veux savoir pourquoi. Parce que nous avons plusieurs preuves que vous êtes la rafale. Hein? La rafale? Mais vous êtes fou. Vraiment. Jeb Weaver a été descendu d'une balle en pleine tête chez lui. Par votre ordre, c'est certain. Où est Hoppy Joe? Il est allé voir sa sœur à Aurélie. Et alors, des tas d'hommes ont pu tuer ce pauvre gars? Non, il y avait que Hoppy. Jeb Weaver avait un alibi pour Tom Lutwer, donc il ne fallait pas qu'il demeure en vie. Vous avez fait dire à Hoppy Joe qu'il avait acheté mon fusil à Tom Lutwer pour que je le poursuive et qu'il me tue. Votre plan était bon, mais il y avait une faille. Tom devait mourir à cause de ça. Amigo, voyons. C'est ridicule, c'est fantastique, lieutenant. Et je le prouverai. Venez avec moi. Venez, mademoiselle Logan. Voici la preuve, lieutenant. Croyez-vous franchement qu'un homme dont la mine est riche à ce point peut avoir besoin de voler? Allez, soyez sincères. À moins que sa mine n'existe pas. Quoi? Regardez vos pépites d'or. Il y en a de toutes les couleurs, rouge, vert, marron. Tout cet or ne vient pas de la même mine. Mais il a été pris à de pauvres prospecteurs. Et le bétail volé rapporte gros aussi. Ah, vous ignorez la formation des filons du Grand Canyon, monsieur McCloud. Toutes les couleurs d'or s'y trouvent réunies. C'est possible. Je veux plus que sa parole. Notre expert en mine n'est pas convaincu. Bon. J'avais pris la décision de ne pas montrer l'endroit où ma mine se trouve. Mais je vois qu'il est temps de le révéler. Très bien. Partons demain matin, je vous montrerai où est l'or. Maintenant, je voudrais la permission d'en finir avec mon mariage. Amigo. C'est à vous de choisir, mademoiselle Logan. Laura. C'est la rafale et sa bande qui tuèrent mes parents. Vous vous rappelez Lucky? Vous aussi, chérie. Bon, vous viendrez avec nous demain. Je ne veux pas que ma femme ait des soupçons sur son mari. Sergent O'Rourke, désignez deux hommes pour garder monsieur Lee. Garder? Ça veut dire qu'on m'arrête? Je vous ferai passer devant le conseil. Amigo, vous êtes ingrat. Le lieutenant Blaine veut seulement éviter qu'on vous tire une balle entre les deux yeux, comme à Tom Lutwer et à Weaver. Oh, c'est extraordinaire, c'est formidable. Les soldats ont empêché le mariage et arrêté Lucky. Paraît-il est la rafale. Et qu'est-ce qu'a répondu Lucky? Bah, il dit qu'ils sont tous fous et il va prouver qu'il n'est pas la rafale. Comment le prouvera-t-il? Bah, il va les emmener à sa mine et leur montrer d'où il tire tout son or. Hastito Shiki and Liat. Skinklo, Natana, Skinklo. Nora? Vietnam. Belle journée, hein? À droite par deux! En avant! Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, nous savons que vous allez à la mine de Lucky.
Et nous voulons y aller aussi. Oui, l'or est dans des filons et on peut en trouver un aussi, nous. Laissez-moi faire, mon lieutenant. Ce petit gros à tête de porc, je vais le mettre à la régie. Poche de rat. Ôte un peu ton uniforme et viens le dire ici, maudit mercenaire. Je vais te corriger, petit rigolo, tu vas avoir une bonne fourrure. Bon, venez alors, je ne peux pas vous en empêcher. Mais l'armée décline toute responsabilité. À mon commandement. En avant. Occupe-toi de ton côté, moi je m'occupe du mien. Bon, ça va, ça va. Caroline. C'est fini, Eddie. C'est fini. Je te demande pardon. Pardon.
Prenez un homme pour garder la quille. Allez, allons-y, mes amis. Suivez-moi. Vous ne l'avez pas vu tomber? Ah, ce gars-là est à moi, hein? Ça, c'est le premier coup qui compte. C'est moi qui l'ai eu. Oh, c'est bon, je tirerai le premier la prochaine fois. Oh, je ne vais plus tirer avec toi. Venez, qu'on en finisse avec ces crapules! Suivez-moi. Que les hommes se tiennent prêts à tirer sur tout ce qui peut bouger là-haut. Nous allons monter. Vous avez tous entendu le lieutenant, et maintenant je monte avec lui. Et surtout, ne tirez pas sur moi pendant que je monte à mon échelle, hein? Thank you.
Merci encore, Tex. C'était avec plaisir, mademoiselle. Bon, ah ben, je crois que Paris est annulé. Cette fois, lieutenant, vous êtes un vrai cavalier.